L'épisode du jour, eh bien, c'est une reco des futurs championnats de France de VTTAE qui auront lieu ce week-end. Et vous pouvez encore vous inscrire puisque les inscriptions seront clôturées mercredi à 20h. Nous, on n'est pas encore inscrits. Pour l'instant, on est indécis. Alors, on vous emmène sur le parcours. C'est pas forcément très rapide. C'est pas du VTTAE comme on le pratique. Donc du coup, eh bien, on est un petit peu perplexe sur la chose. Et la pertinence du circuit par rapport à notre discipline ne nous a pas forcément convaincus. Et surtout, on n'ose pas imaginer ce que ça va donner si c'est un tantinet humide en cas de pluie. Parce que là, le nombre d'endroits qui sont fuyants, en dévers, sans appui, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc du coup, eh bien, on vous embarque pour quelques tours d'Urco avec les plus jolis passages. Allez, c'est parti! Alors là, il y aura un petit saut. Il n'est pas présent. Mais il y aura une jolie planche le jour de la course. Bonjour! Tu remontes tes braquets, Caro, là on va remonter à droite. Ça remonte tourette à droite. Mode turbo, grand pignon. À gauche, c'est moins haut. Elle est à droite? Ah oui. C'est le choix. Là, on va remonter. Petit passage roulant, là où il y a la voiture, il y aura la zone technique à double sens. Et là on va partir pour une petite boucle sur les hauteurs d'Épinal. Et en haut, c'est virage à gauche, on part à flanc dans les dévers. Alors forcément, sans les rubalises, pas forcément évident de s'y retrouver dans la sapinette. On enchaîne une petite descente sympathique. Là tout droit.
Et là, donc on revient à la zone technique pour pouvoir partir sur un grand droite avec une montée assez technique. Alors le risque, hein, c'est les bouchons. Et là, on enchaîne avec une montée bien bien raide. Deuxième épingle. Et là encore une épingle plus serrée que les autres. Il y a la place de tourner, pas de souci. Et après, de nouveau drer dans le pentu. Droit à gauche. À épingle à droite. Là, tu plonges là. Descends la selle, ouais. Et là, on repart à gauche. Et là, à gauche aussi. La gauche. Donc là, échappatoire ou double. On vient poser derrière, tranquillou. Ah, et là, la double trace, la même celle-là. Hein. Thank you.
Voilà, 4 tours. Pour tout vous dire, on avait prévu de se faire une répétition générale et après cette première reco, de remettre une batterie charge pleine pour pouvoir partir en mode course avec le start loop et 4 tours derrière pour voir sur quel mode on pouvait rouler. Bon, du coup, on a bien mis les deuxièmes batteries, mais on a préféré partir à la découverte du pays d'Épinal. Et là, vraiment, on n'a pas regretté parce qu'on est vraiment tombé sur de jolis endroits. Et le coin mérite vraiment d'être découvert. Si vous avez un VTT à eux, ici, il faut venir pour randonner. Vous allez être ravis et surtout, vous aurez de très très belles images d'Épinal.